Le premier ministre libanais Saad Hariri est revenu mardi sur sa démission, un mois après cette décision surprise qui avait pris de court le Liban et la communauté internationale. Les deux camps rivaux au Liban, l'un dirigé par Saad Hariri et appuyé par Riyad, et l'autre mené par le Hezbollah chiite et soutenu par l'Iran, cherchaient à trouver un compromis pour éviter au pays un nouveau séisme politique. Mardi, le gouvernement auquel participent les deux camps a réaffirmé sa volonté de se distancier des conflits de la région. Le gouvernement libanais, dans toutes ses composantes politiques, décide de se distancier de tout conflit, de toute guerre et des affaires intérieures des pays arabes, indique le communiqué lu par M. Hariri.